Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un produit que j'ai trouvé dernièrement sur la toile, sur le net. C'est justement pour fixer le buste sur son socle. C'est le piédestal, enfin un petit piédestal que j'ai trouvé sur le net il y a quelques temps. Et en fait, soit vous utilisez le piédestal qui est fourni avec la figurine. Là, il y a un exemple, puis j'ai fait dernièrement un petit tuto comment l'utiliser pour pouvoir le fixer sur son socle. Soit on peut également, j'utilise aussi des petites barres métalliques comme ça c'est une de travail en étain ou en métal. Donc, il y a plusieurs manières de fixer son buste sur le socle en faisant un petit piédestal. Et là, j'ai trouvé ça. Je vais vous le présenter. Je vais donner les références. Je mettrai les références sur la vidéo. Pas très bien. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. En fait, c'est un petit piédestal. Alors, il y a plusieurs modèles. Intéressant. Donc, un petit piédestal. Celui-là, il est en plastique. Alors que j'ai vu quelques modèles différents, donc voilà, j'ai pris celui-là juste pour tester, j'en ai pris quelques-uns comme ça, qui est en plastique. Le principe est le suivant, un peu comme j'avais fait le tuto pour fixer en utilisant le piédestal qui est livré avec la figurine. En fait, il y a un petit renfort qui vient se fixer là, une petite vis qui vient se fixer sur le dessus du piédestal, sur lequel on viendra fixer le buste. Et puis, à l'opposé, en fait, même principe. Voilà, après on peut régler la plus ou moins profonde. Voilà, comme ça on pourra fixer. Donc voilà, en fait. Et cette partie-là viendra se fixer sur le socle en bois. Donc on retrouve le principe que j'avais fait dans mon tuto, seulement que j'utilisais des. C'était en plastique, j'utilisais les grappes en rab des maquettes pour pouvoir faire tenir le piédestal. Et j'ai trouvé ça en fait. Et je voulais essayer et vous le présenter. Donc concrètement, on va en utiliser un sur un socle en bois et puis une figurine, un buste que j'ai pas encore commencé. Donc de quoi on a besoin? Ben, bien évidemment ça. Le prix, ah oui, avant qu'on parte, le prix, c'est 10 euros. Donc de quoi on a besoin? Ben, de la pièce, du piédestal. J'ai récupéré un buste que je vais bientôt faire. Je l'ai préparé. Et puis un socle en bois. Allez, c'est parti pour percer. Moi, j'ai une petite perceuse à main, comme ça, un outil de précision que j'utilise avec une mèche de 3-2. Donc, la première étape, c'est de percer avec la mèche le socle en bois et la figurine. Et on va y placer les deux petites vis dans le buste et dans le socle. On se retrouve dans quelques minutes. C'est parti. Voilà, l'exercice est terminé. Donc j'ai pris un petit socle en bois. Ça, c'est typiquement un socle de travail. Donc j'ai percé. Et gentiment, à l'aide d'une pince, j'ai fixé la première vis directement sur le socle. J'ai réalisé le même exercice sur un buste. C'est un buste que je vais bientôt commencer. Il n'est pas nettoyé, là on voit encore la pièce qui t'a supprimé. Là, il y avait encore un petit bout de résine, c'est pas grave, c'est juste pour l'exercice. Donc voilà, là j'ai percé sous le buste pour pouvoir fixer également la petite vis à l'aide d'une pince tout doucement pour l'enfoncer. L'étape suivante, très simple, on applique
Ça marche bien, hein, c'est assez souple, assez simple. Après, il faudra peut-être régler plus ou moins enfoncer dans le buste ou dans le socle la vis. On voit, c'est pas mal du tout. Il va délicatement, voilà. Hop. Puis maintenant, on va fixer la figurine sur le même principe, le buste directement sur le socle en bois. C'est pas mal parce qu'on peut se préparer justement la pièce pour travailler, donc on pourrait mettre directement le buste sur un socle de travail avec la vis et puis après l'enlever et le mettre sur le socle définitif. Donc c'est pas mal. Le principe est pas mal, assez simple. Hein. Voilà, là il faudrait que je perce plus profondément le socle pour faire descendre la vis, mais le principe est là. Donc on aurait le buste fixé sur son piédestal. Et puis là c'est pas. Il y a quelques millimètres encore pour faire, mais le principe, le défaut qu'on a tous, c'est que ça tienne bien, voilà, c'est parfait quoi. Adjugé, je conserve. Excellente idée. Voilà, petite vidéo, j'espère que ça vous aidera à fixer, à utiliser ce petit piédestal. Si vous le souhaitez, il y a plusieurs types de modèles, comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo et au terme de cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao !